Nous assou plateau TV Espérance en identité causée. C'est un privilège pour moi de recevoir Gratien encore une fois. Merci, merci en pile, merci pour l'invitation. Je vais profiter pour me saluer tous les téléspectateurs, Maman Espérance TV, Maman Elenet. Je vais remercier eux d'être à l'écoute pour le moment où nous allons passer ensemble. Oui, alors nous finissons et puis un grand thème, Saint-Esprit et spiritualité. Mm-hmm. Nous touchons thème ta là en long, en large, de A à Z. Oui. Et moi, quoi qu'à présent, nous ne pouvons pas dire nous quoi servir du Saint-Esprit, mais nous quoi quitter le Saint-Esprit du servir nous. Moi, quoi dit ça, hein? Gratien, et nous quoi aborder un autre thème qui est intéressant, passionnant. Mm-hmm. Et pour fois ta là, c'est un pierre et puis deux pierres. C'est mm-hmm. ça nous quoi étudier. Grand thème là, c'est mm-hmm. nous, oui, c'est mouton moyen. Mais oui. Oui. C'est ça. Alors, texte là pour nous te méditer là et là avant nous point nous qu'ay déposer moment dans mes bon Dieu qu'on nous est l'habitude de faire grâce à un privilège de prier pour nous commencer. Papa bon Dieu, nous qu'a remercier pour grâce ou fait nous pour entretien ou entretien nous dans l'existence pour nous peut ça vivre. Nous qu'a ouvert parole là pour nous tirer enseignement, compréhension pour nous peut ça ni à la vie beaucoup plus belle et beaucoup éclairée. Nous commandons simplement, Seigneur, accordez-nous l'Esprit Saint pour mm. nous comprendre en nom Jésus. Amen. Amen. Nous savons bien que c'est l'Isonta pas là pour nous faire, mm. pour nous faire, mais il est là pour nous tirer en bienfait et puis oui. pour nous faire ça, progresser dans la foi. Mais oui. oui. Alors, nous allons commencer et puis Pierre. Pierre, avant de me poser une question à cet équipe, mon texte là pour nous méditer là et là, qui s'est gardé nous? Alors, texte là, nous avons trouvé dans Matthieu 14, verset 30 et puis 31. Mm-hmm. Texte là, dit nous, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à couler, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Oui, et c'est même pas la peine de nous commenter le texte à la présent, puisque nous avons eu l'occasion de vivre en l'œil mm. en disant un petit moment. Oui. Gratien, Pierre, c'était qui monde? Et pour qui, première fois, il jeune Jésus? Pierre, c'est un personnage, c'est un homme. Un homme, c'est de condition modeste. C'est un homme qui était de condition modeste. Il était exercé un métier qui était difficile à l'époque, qui était rudimentaire, uh-huh. difficile à l'époque. Nous savons tous les marins pêcheurs, ils ont renommé, c'est des gens qui grosso modo. Mais oui, c'est des gens qui de grosso modo. C'est des gens qui pas faut dire faire en pile l'école, et puis à l'époque, en pile l'école, ils ont entré grand bonheur. Surtout si une génération, papa uh-huh. et grand-papa, Israël. Donc en descendance, et puis c'était Ganpeyo. Alors, c'est un bouquin qui est assez rudimentaire. La Bible, nous avons trouvé Pierre pour la première fois en contact mm-hmm. dans Matthieu, chapitre 4, verset 18. Uh-huh. Les banons. Alors, il a parlé ici de Jésus qui dit, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Au verset 19, mm-hmm. il leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Aussitôt, verset 20, mm-hmm. ils laissèrent le filet et la suivirent. Au verset 20. D'accord. Nous voyons que Yotan mm-hmm. l'appelle là, mais est-ce que ça aussi facile comme ça? Si c'est un homme qui a été en scène en dit dans la mer, ça veut dire que c'est ganpain yo qui là, c'est le moyen yo ni pour vivre. Mm-hmm. Alors que Jésus a dit, yo, mais non, quittez ça, venez, moi qui fais ça. Vini pêcher nom. Ça pas très facile. Là où on y a un métier qui prenant, mm-hmm. et puis ou ka tire un peu de satisfaction du métier. Et en même temps, il y a des difficultés à l'époque. Il n'y a pas ni boussole, il n'y a pas ni équipement nécessaire.
Et souvent, là où ils partent, qui te caillent, puis ils allent là, mais là ils vivent, c'est en grâce bon Dieu, parce que généralement, métier marin pêcheur causait la mort de beaucoup d'hommes. Et puis c'est pour ça en Israël, tenir beaucoup de veuves. C'est un métier difficile. Et moi, quand je vois le revers de la médaille en disant, si ce nom-là, là-dedans, ben, qui c'est difficile, et puis, quand on a un appel, qui te sert, puis, venez, moi, quand il fait d'autres péchés garçons, on me dit, c'est une chose, bah, yo. Vous gardez ça en chance. Vous gardez ça en chance, bah, yo. Mais, Bible a dit, aussitôt, là même, yo quitté ça. Yo quitté ça. Ça va facile, là, quand on fait un métier, moi, mais, hein, et puis, pour un hypatique, comme ça. Ou pas ni l'idée, aussitôt t'as là même t'as là sans bagaille qu'a dit au moins ils ont été tant parler du nom là ils ont été tant parole en bagaille mais c'est exactement cela ils savent parce que c'est pas n'importe monde qui vient dire fait cela c'est que ils étaient en aperçu ils étaient là ouais un des miracles Jésus fait ils étaient là ouais multiplication des pains ils étaient là ouais un certain nombre de bagailles donc la suite logique qu'a nous qu'a mon raison à de ça nous qu'a dit là et ces noms là restaient tout en un nuit de péché. Là où il veut, il a qu'à laver Seigneur, jour ouvert, il n'y a pas besoin rien. Jésus est arrivé, et puis Jésus a dit comme ça, bâtier, Seigneur, et puis on nous jette plus haut. Ben, il dit, pire. Là où il a fini, il a lavé Philippe. Hein? Mais c'est moi, ça, ouais, ça, moi, ça, sorti, il veut bonnet, bon, l'homme, ouais, m'a repêché. Quand il a lavé Philippe, quand il a nettoyé Philippe, il a plus de Philippe. Et puis, un monde qui n'a pas une pièce notion la pêche, il a dit, retourner. Moi, quand les autres, j'étais là, et puis match. Pour Pierre, au départ, là, nous avons lu ça dans Luc chapitre 5. Nous avons vu que vraiment Pierre regarde, il a dit, oh, c'est Bougda là, t'es qu'on est anti-barré. Mais puis surtout, j'ouvre. C'est la nuit où on prend plus belle prise. Et puis j'ouvre là, ça n'est pas évident. Mais il y a une parole qui frappe moi dit dans le texte là. Et puis Pierre a dit comme ça, à sous-parole. Il dit, nous arrêter toute la nuit là, nous ne prenons rien, mais à sous-parole, nous avons jeté filet là. Oui. Alors, donc, il dit, mettre d'abord, et ça c'est une expression, mettre, ça veut dire que nous sommes dans notre filet, tout est dans le pique qui nous a fait. Pierre, tu es dans le pique qui nous a fait. Mais il dit, comme ça, à sous-parole, nous avons jeté filet. Oui, là, il obéit à Jésus, parce que nous avons là, l'obéissance toujours capote fouille. Là, il obéit. Il dit, il prend une grande quantité de poisson. Oui. Alors, verset 6, il dit nous ça. Oui, oui, Libanon. Eh bien, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poisson et filéa pas de caron. Filéa pas de caron déchiré. Tellement de poisson n'a pas déchiré, filéa. C'est déjà miracle. Alors, là, il prend, puisque nous avançons, il prend tout sa poisson. Qui ça, Pierre dit? Pierre dit, Jésus, tu es quoi, bon, moi? Moi, pas dit de mensonge, un homme qui péché. Qui ça, quoi, pensez des déclarations, t'as là? C'est une déclaration qui était sincère. Pourquoi pensez que c'était en confession, que Jésus reconnaît, et Pierre reconnaît en Jésus, en sauveur, le Messie? Oui. Moi, quand dit ça en confession, et moi, quand dit quand même, Raïche dit d'un blanc. Il a toujours dit Pierre, grosso modo, Pierre, ça, c'est celle-là. Mais là, de là, il a des clés, là, il a certaines clés, des clés à placer, il a placé. Et Pierre, quand reconnaît là, que Jésus quand même c'est un pourvoyeur. Hein? Il peut satisfaire à besoin. Donc il y a en quelque sorte que lui même pas digne qui est aussi près Jésus. Donc dans un moment est-ce que Pierre Kawé impiété saleté quoi et par rapport à sainteté Jésus. Là il a dit très corps du moins éloigné corps du moins. Mais oui, mais c'est ça. Je puis surtout, à dans le contexte de l'époque là, et puis métier là, ça c'est mes marins pêcheurs. Il y a des vieilles blagues, des vieilles paroles, des vieilles insultes. Des expressions, grosso modo. Alors là, il a dit, Seigneur, retire quoi, dis-moi, parce que moi, c'est un homme pêcheur. C'est sûr. D'accord. Mais nous, qu'est-ce qu'on va penser de Luc 5, verset 11? Luc 5, verset 11, que métier, c'est ayant là, ramené c'est les bacs à terre, il laissait tout. Et le suivre. Tu vois, c'est pas arrivé à cette non. Et ni monde a souri, vous l'avez tant de boisson. Et vous avez pensé, au départ, il tenait, si vous tenez vraiment la part du gain, ça c'est un bel homme qui a fait la redite là. Mais qui ça qui fait une telle différence? Est-il que vous prenez autant de poisson, et là vous venez pour vous faire l'argent,
pour tirer un bon l'homme dans le poisson, ils ont quitté tout le bagage. Et puis, ils ont suivi Jésus. Je dis, je crois que les gens qui sont capables, en 21e siècle, de quitter le travail tout le bagage pour suivre Jésus. Question ta là, dans tous les siècles, question ta là, couler là. Moi, quand dit ça dépend de l'expérience là. Ça dépend de l'expérience là. Ça dépend de la motivation, ça dépend de l'expérience là. Nous ne pouvons pas dire pas ni. Parce que nous, le monde qui a été témoigné, il était en travail, il était bon salaire, il était bien payé, il a quitté pour venir pêcher aux hommes, pour prêcher l'évangile. J'ai le sac à fait. Sac à fait. Mais la connexion était tellement forte là, et puis, départ ta là, parce que Jésus a eu preuve que véritablement ça vaut la peine de suivre. Oui. Mais nous avons aussi la notion de foi en disant. Tout le monde nous a critiqué Pierre, ça facile pour nous critiquer Pierre. Mais nous avons que je ne pas quoi Jésus a trompé. Quand il a choisi un nom, même si c'est un marin péché, grosso modo, nous avons peut-être plus tard qui manière Jésus peut raboter un tel nom pour faire de lui un disciple, un chef d'église, par exemple. Mais point à moi le souligner là, d'après ça, on va dire. C'est l'expérience nous ta là nous a crié Pierre là. C'est l'expérience tous les humains parce que nous pas rien de bon dit dans nous ni la flétrissure du péché. Chacun de nous ni en Pierre. Ah ouais, nous ni la flétrissure du péché dit dans nous. Nous pas rien de bon. Tout manière nous font bagaille nous quoi comprendre il bon mais devant bon Dieu il sale impur et tout. Mais bon Dieu quand j'ai un regard miséricordieux en l'air l'humanité en l'air chaque personne. Oui. Ouais, et à de chaque personne, il n'y a pas de vilainité qui a dit dans nous, mauvais qui a dit dans nous, mais il y a un homme qui poli, un homme qui a grâce à la veille, un homme qui a grâce à la sanctifier, il y a des moments qui disent Jésus fait travailler dans nous. Ces disciples réunis là, Pierre là aussi, et puis Jésus pose une question. Qui moun yo ka dit, moi, qui ça yo répond? Eh bien, nous allons ça dans Matthieu 16. Dans Matthieu 16, nous allons ça. Et c'est un bel propos toujours. Là, nous allons trouver en cette conversation là. Pierre, toujours, nous allons là. Nous allons essayer de garder qui est qui monde. Qui est qui monde qui vient disciple Jésus qui marche et puis là. Oui. Là. Alors, Jésus, tu es puis docteur de la loi. Et puis les pharisiens, les scribes. Et puis, il a dit, sous nous accepter. Comme ça, on peut prétendre être fils de Dieu, fais un miracle. Jésus dit, je vais faire pièce miracle. Je vais faire pièce miracle. Et puis, Jésus est parti. Jésus parle, et puis il est parti. Et puis, Jésus, donc, pendant un chemin à Césarée de Philippe, et puis ses disciples-là, ils décidaient de lancer en question. Ils posent question. Un sondage d'opinion publique. Sondage d'opinion publique, il a dit comme ça, qui moun zot ka di mwenye, mwen, fils de l'homme. Est-ce qu'il y a une question, même Jésus beaucoup barou pas cela? Puisque il a dit comme ça, mais qui ça y a dit mwenye, mwen le fils de l'homme? C'est intéressant, parce que c'est l'une des premières fois notion fils de l'homme employée ici. Mais qui ça qui bah nous, puisque faut que avancer. Nous pouvons avancer, mais la notion fils de l'homme ici, fils de l'homme, ça va ni rien à web dans l'esprit de ses disciples-là, et puis Messie. Et puis fils de Dieu, et puis fils du roi, c'est fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est un homme qui était à terre. Donc c'est déjà quelque chose. Alors les disciples parlent, là nous avons Pierre Prudent. Il parle pour la parole pour lui. Mais alors ces disciples il parle pour la parole pour lui. Oui, il dit au verset 14, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Jérémie, les autres l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Là, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il pas dit le Fils de l'homme. Hein. C'est important. Il dit le c'est Christ, important. Le Fils du Dieu vivant. Et c'est à là que Jésus est arrivé. Qui c'est le mot le Christ qu'a signifié? Le mot le Christ qu'a signifié, à des racines, Christ qu'on a crucifié. Ou quoi, un monde qui a sacrifié la vie. Le fils du Dieu vivant, alors, ça veut dire que connexion et puis papa, ou c'est représentant bon Dieu en l'air la terre. C'est important. Ça. Jésus fait une déclaration bah Pierre, et puis il dit comme ça, c'est pas ni la chair, ni sang qui révèle ou ça, mais c'est papa moi qui a dit dans le ciel là. Moi, embarrassé, Gatien. Puisque
Pierre qui a fini font telle déclaration, Jésus qui a fini bay en tel compliment. Dans le moment Jésus qui a parlé, dit mon ami qui est mort, mon ami qui est malmené, tout cela. Pierre qui a dit comme ça, jamais ça va pas fait. Et puis Jésus qui a dit Pierre, arrière du moins Satan. C'est la première fois que j'entends la parole aussi raide de bout Jésus. Oui, mais ok, que Pierre répond sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Il dit ou c'est Christ ou c'est Fils de Dieu vivant. Pierre présentait ici à exactement la raison pour laquelle je divinais les latins. C'est le Christ, hein, puis Fils de Dieu vivant, puis moi. Dieu tant aimait le monde, Jean 3,16, il a donné son Fils unique. C'est sa Bible qui a dit nous. Hein? Pour qui de monde, quel que soit mon nom, qui a marché. Maintenant, en laissant regarder, avant nous virer les points, et Jésus derrière Satan, et mon verset 18 là, quand on va se moi, est-ce que vous pouvez m'en éclaircissement les versets là, puisque Jésus dit comme ça, et moi, quand dit où c'est Pierre, et à ce Pierre là, moi, quand il bâtit l'église, moi, et que la porte de séjour des morts, pas qu'il paie, et prévôt et contre lui. Maintenant. Donc Jésus bâtit l'église li à sous Pierre, c'est pour pas nous ni en succession de papes qui a crié Pierre ou Pierre, etc. Non, c'est nullement là l'idée et l'intention Jésus. Nullement là l'idée et l'intention Jésus. Jésus qui a dit Pierre ici, eh bien là, tu es Pierre. Tu es Pierre. Pierre, il y a une coalition de noms, il était ni ses faces, il ni Pierre. Jésus dit, tu es Pierre. Moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, Pierre peut majuscule, moi qui ai bâti l'église, moi, et porte le séjour de mon père, qui prévoit du coin. Ici, nous avons Pierre, Pierre le roc, ici, l'expression ici, ça sous roc là, moi qui ai bâti. Mais là, nous faisons une analyse et puis une synthèse de texte là, nous avons que l'église, c'est Jésus-Christ qui a institué l'église. C'est Jésus l'église, qui a l'église. C'est lui qui, le, Jésus, c'est lui qui tête l'église là. Nous nous allons Éphésiens. Et si Paul a un enseignement pour les maris, manière pour eux même madame, il a dit comme Christ aimait l'église là, qu'il qui tête là, manière il va faire quoi. Donc, maintenant, jamais bon Dieu pas te faire commettre l'erreur. Donc, mon grec là qui est employé là, dit dans le Nouveau Testament, c'est Petra et Petros. Petra et puis Petros. D'accord. Alors ça n'a pas rien à voir et puis filiation. Nous quoi c'est la preuve. Pierre et Assou Wachtala. 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 Qui Jésus. Qui Jésus. Qui a bâti l'église. Li. Et là nous quoi suivre l'Ancien Testament. Nous quoi voir que Wachtala est auquel Wachtala qui fait jaillir de l'eau pour peuple Israël. Sous la conduite de Moïse. Et Paul a dit nous, Wachtala, Wachtala, qui te ka suivi, c'était le Christ. D'accord. On nous avance. Nous, Pierre fait. Et fait faux pas là. Et Jésus dit comme ça. Ariel dit moi, Satan. Jésus allait fort. Oui. Mais nous, mais le Pierre finit fait déclaration ta là. Il dit c'est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Bible dit nous, dès lors, Jésus commençait à enseigner yo. Hein? Ça qui est venu pour la suite. Il est monté à Jérusalem, mais c'est la passion. Effectivement, mon Christ là, Pierre employé là, il dit mi-chor là qui est réservé pour Christ là, on finit révélé. Pierre tenait une grande sagesse quand même depuis de tout grosso modo. Nous croyons le texte là, au verset 22. Verset 22, Bible a dit nous, Pierre l'ayant pris à part et se mit à le reprendre et lui dit, à Dieu ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Ça veut dire que le roi. Pierre n'a pas été foiré, plan ça lui là. Eh bien, mais oui, parce que là, il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il partait, mettait à deux plans le Christ, le Fils de Dieu, là, mort tout de suite. Parce que pour Pierre, délivré de la pêche là qui était dure là, et puis trouver le moyen de vivre un homme qui a 5000 personnes manger, qui a fait un miracle, c'était un royaume qui était institué quoi, tout de suite. D'accord. Et puis finir la souffrance. Alors Pierre, l'idée là, moi, pas en tête, puisque sinon, je suis mort. Qui suis le royaume là? Et moi-même préparé pour me vivre Pierre dans le royaume là terrestre. Pierre était très terrien en tête lui en même temps. Oui, ah oui. Bon, mais quand Jésus dit comme ça, arrière de moi Satan, c'est Pierre qui criait Satan ou bien qui ça? Même manière, l'Esprit bon Dieu saisit Pierre et puis il fait, il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Hein? Même maintenant, la porte là, tu es ouvert, Dieu toi baillé, l'Esprit diable là, fait susciter un mot puis il dit, Seigneur, ça n'a pas qu'à arriver. Il ne faut pas quitter ça arriver. Et nous, que c'est Satan.
Et ça portait fruit, puisque il semble que faut que Jésus t'exhorte Pierre au moins d'être là, puisque ça portait fruit par la suite. Jésus remontait brutal. Et moi, quand on a de la vie, soit pas malheur à dans le monde qui parle ni monde pour remonter brutal. Parce que nous toujours comprenons ni sagesse, ni tout le bagaille. Mais remonter brutal, ça a servi pour la suite. Nous avons avancé. Nous, Jésus dit ses disciples là, et il envoyé yo. Après, il finit fait un grand miracle, il envoyé ses disciples là à bord bateau. Et puis, lui-même allait prier. Et puis, bien tard dans la nuit, Jésus marchait qu'à venir à Soulamea pour Jean et ses disciples là. Ce n'est pas tant l'homme qui était calme, siré, c'est un l'homme démonté. Et là, ses disciples là, ouais, Jésus qui a venu, il y a un sous coup, il dit un fantôme. Il dit un fantôme. Il dit un fantôme qui est là. C'est un fantôme qui est là. Et là. Et Jésus dit, rassurez-vous, c'est moi qui l'a, on nous parle. Et qui ça Pierre dit au moment là? Alors, toujours dans Matthieu 14, Pierre dit, Seigneur, si c'est où? Ordonnez comment venir jouer nous. Montala veut dire qui ça? Si c'est où? Balade pour moi venir. Mais Pierre était miré. Ah ben, mais oui. Mais oui, alors donc c'est un personnage nous commençons à analyser, à disséquer. Est-ce que vraiment Pierre t'a réfléchi avant de parler? Est-ce que c'est pas un bouc qui t'a dit? Ah mais non, il n'y a pas de réflexion, mais c'est un homme qui a pris un mot. Il a pris un mot. Déjà, ce disciple avait fait, il a crié, c'est un fantôme. Il n'a pas dit, mais c'est Pierre qui dit ça. Mais donc, alors, Pierre dit, mais Seigneur, si c'est où, pardonnez comment venir. Mais nous, à chaque fois, nous paix, nous effrayés, Jésus a rassuré nous. Jésus dit, rassurez-vous, c'est moi. Et là même, Pierre saisit la balle au bon et dit, Seigneur, si c'est où, ordonnez comment venir. Nous avons noté. Ce qu'on pensait d'expérience. Nous avons noté que l'homme est mauvais. Et Jésus dit, Pierre, venez. Pierre sortit au bateau, il déposait pied en l'eau, en l'air de l'eau. Il n'a pas plongé et qui marchait pour aller sur Jésus. Ça, c'est une leçon extraordinaire à nous. Oui, alors qu'ils sont, nous petits, en laissant, en l'homme est démonté. Pour un homme et qui des chair et des sang qu'on nous, qu'a marché en l'air. Pouvoir là, qui côté il dit, Gratien? Ah, mais pouvoir là, c'est pouvoir là qui a sorti des bons dieux et puis transmettre à Jésus, puisqu'il vient à sur la terre pour faire volonté nous. Mais. Donc, si Jésus a crié nous, pas peur pour nous marcher à sur l'homme qui démonte, qui peut signifier aussi les épreuves, les difficultés, tout cela. Absolument. Donc maintenant, là nous avons la puissance de Dieu, la puissance de Dieu qui a maîtrisé les eaux. Mais nous avons aussi que les eaux qui représentent des foules, des peuples, des difficultés de la vie. Et donc si Jésus a marché en l'air aussi mauvais, ce n'est pas maintenant au contrôle de la terre, il a hésité puis pour contrôler la terre. Donc, ça veut dire que là, il a dit nous avancer, il faut nous avancer. Donc, Pierre a avancé, Pierre a marché en l'air de l'eau, mais c'est un bagage extraordinaire. Toutes les nous avons critiqué Pierre, mais qui est le monde qui a dit bravo Pierre, parce que moi, je n'ai personne fait ça, Pierre fait là, Pierre a marché. Pierre marchait et puis subitement, Pierre a plongé comme un plomb. Bon Dieu, fait Pierre marcher en l'air de l'eau. Bon Dieu, fait Pierre marcher en l'air de l'eau. Et oui, mais ok. Donc, si on dit, moi, bon Dieu, fait Pierre marcher. Et là, il était qu'à plonger, c'est bon Dieu qui fait plonger. Bon Dieu, fait Pierre marcher. Toutes les fois, il Pierre a dit, regarde, en l'air Jésus. Il saisit la balle au bon, il avance. Ou qu'a appuyé un point là qui est important. On dit toutes les fois. Toutes les fois, il était regardé dans les bon Dieu. Et c'est pour ça, là, nous, quand on dit la Bible, on est Jésus. La Bible de la Genèse à l'Apocalypse, bon Dieu, d'où l'on commence à marcher, toujours garder le regard fixé. Il garde ça à dans Hébreux chapitre 12, verset 1. Depuis pète Jésus de vue, c'est plonger ou pas plonger. Ou quoi plonger? C'est le doute. Oui. Le doute quand on dit donc. Ce n'est pas le doute, c'est l'intéressant qu'on fait pour montrer les autres qu'on peut. Oui, nous en lisons dans la chute. Bonnement, les pieds au cas plongé, puis il y a un moins sous coup. C'est ça qui fait. Il y a un moins sous coup. Même quand on dit, moins doux. Même pour Dieu, j'évite la puissance. En dépit de l'incrédulité, Pierre, quitte les marchands là, non, mais. Mais ça t'est pour servir les leçons. Et toutes ces leçons-là, nous allons continuer, nous allons voir à quoi ces leçons-là servent, Pierre. Ça a montré nous aussi, là, nous allons faire un exprès, puis bon Dieu, on ne va pas faire l'intéressant. Bah, les autres, les compagnons, les anciens, les pasteurs, les membres d'église, on nous reste simple. Et puis, on ne va pas prendre pièce carte exprès, nous allons faire pourquoi nous, mais pour bon Dieu, tout gloire. Mais nous, elle écrit en moi. Elle écrit en moi, Jésus ton nom. Et puis, il s'est couru. Et puis, il dit, homme de peu de foi, pour tu douter.
Donc et Bible là ba nous recentement le doute qui a dit nous là mon ka mandé bon Dieu en bagaille faut y mander sans douter faut y croire qu'il a réussi quoi nous ka avancer parce que temps ka goumé pe nous là et est-ce que Pierre décive en des expériences li parce que quelle manière Pierre ka arrivé régner mettre li ouais ça nous va n'en pile temps pour ça personnage ouais sans nom sans nom et là nous ka ouais la suffisance de la chair un des Pierre qu'on et temps de l'année soleil de l'année la pluie et là pas ni Jésus ou pourquoi ni en relation et puis Jésus qui convenable c'est qu'on ça ou hier pourquoi ni stabilité ou pourquoi ni stabilité alors là pourquoi ni stabilité ou bon diable a fait ça il est pour dans moment ou quoi sentir ou c'est déplacé en montagne. Un bon qui finit dit comme quoi Jésus c'est le Christ, le Fils de Dieu. Un bon qui dit si c'est où Seigneur. Et puis c'est pas ça. Fais-moi marcher les noms. Parce que nous allons vite en les leçons là. Mais là nous, étape et puis expérience, Pierre suit et puis Jésus. Pour il va au dernier moment, moment ultime, là, il parle trois fois. Il a dit. Alors, là où a étudié l'esprit de prophétie et puis entrant profond dans la Bible, nous sommes Pierre même joué. Pierre joué. Il jouait ce monde. Il jouait ce monde. Il jouait ce monde. Il jouait. Il a jamais compris de Jésus. Il fermait ça, si c'est là. Mais, et Bible a dit nous, laisse Jésus passer. J'ai tombé en Dieu, Pierre. Ça a brisé Pierre. Le regard. Regard Jésus. Jésus gardé. Et puis. Moi-même, quand je dis Pierre, pas de volonté pour te garder Jésus en face. Mais regarde la croisée. Pas de peur empêcher regarde la croisée. Et le garçon, nous allons finir les derniers points. Alors, on va prendre en conclusion, parce que nous allons gommer un temps là. Mais Pierre, oui. Est-ce que vous pouvez dire que Pierre, c'était un bon dirigeant? Qui ça qui fait Pierre venir un bon dirigeant? Eh bien, ça qui fait Pierre venir un bon dirigeant, c'est là, après, il y a mettre lui, il vira Gethsemane. Là, il vira Gethsemane. La Bible, il pleurait, il regrettait, et puis là, il m'a dit pardon. Non. Et puis, il convertit quoi? Là, il convertit quoi? Maintenant, nous, on est ensuite, parce qu'ils sont encore allés assez condensés. Et puis, nous, quoi, ouais, Pierre, maintenant, qui dirigeant. Oui, nous à Paul, plusieurs reprises, Paul a fait mention de ça. Paul vient après Pierre. Oui, il t'en parle de Pierre, il monte à Jérusalem. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème entre considération qu'il a fait pour les païens convertis. Les juifs et puis les non-juifs qui étaient des païens convertis. Et Pierre, même Paul, même ni l'occasion d'y reprendre Pierre. Et puis, pour. Paul te dit, bon, radis quand même. Oui, il a pris reprendre un homme qui marchait puis le Christ pendant combien de temps? Oui. Ah oui, mais, et Matédoum, changez Matédoum, des fois, faut, mon Dieu, qu'a toujours placé mon akoto. Pour remonter Britannou. Et ça, c'est nécessaire. Paul, remonter Britannou, il dit, mais non, pas faire ça, quoi, judaïser. Alors, ou quoi manger? Et puis, c'est mon et puis là, ouais, d'autres camarades, ou quoi, redire quoi, derrière, mais pas faire ça. Ça, c'est quoi, tu es bien. Pas bien. Jeune, pas bien. Je dis, jour aussi. Ça, pas bien. Pas judaïser comme ça, restez foi. Oui. Et puis, Gassien, ou ça, t'en arrive en l'air, nous là. Nous avons eu l'occasion de virer en l'air Pierre, parce que c'est ça, c'est grâce à Pierre, t'as là, que nous avons les deux épîtres qui sont venus, premier Pierre et puis des Pierre. Mais, qui conclusion peut faire en l'air ça pour parler du nom t'as là qui était Pierre là et puis qui s'est venu à présent? Eh bien, après avoir nous analysé première partie la vie Pierre et puis expérience, nous avons véritablement Pierre, c'était en wash. C'était en wash à brut. Il était ni en l'eau saleté. En l'eau saleté, en les pierres t'as là. Mais, regarde, bon Dieu, t'es regardé, dans les pierres à bout de talent, dit d'un, il était ni en joyau, à extraire. Et Jésus-Christ prend patience et puis. Et puis, finalement, il polit, il extrait, et puis Pierre vient en joyau. Là, nous allons continuer ces leçons. C'était l'inspecteur terre, même quand il s'y ouvre, dit, là, nous allons entrer dans la première lettre là, nous allons avoir conseil, il va nous dire, eh, c'est pas Pierre, t'as l'année de connaître là. Véritablement, et m'a qu'à tirer chapeau moins bas, bah, l'Esprit Saint. Merci. Merci, Gracien, pour éclaircissement porté en les pointant là. Ça nous qu'à quitter bah, les téléspectateurs, c'est prendre l'expérience de Pierre pour nous faire propre expérience, nous, et puis écouter Jésus, raffiner nous, pour nous faire venir en bon dirigeant, en bon disciple. En bon disciple. Dieu qui peut faire cela, en bon disciple. En nous prier, et Papa Dieu, nous qu'à remercier, puisque vous portez éclaircissement bah, nous. Ou dit de nous, en dit dans un moment là, continuez béni, chacun de nous, fais-nous du bien, et quittez Jésus-Christ, transformez la vie nous, c'est prier moi en Jésus, et puis toute gloire là qui a venu pour vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Thank you.